serious with me. How the fuck is you that girl, man? She wasn't near me. Back to each other the goddamn video, man. Hey, look. King, man, Riz, man. Ay. Ay. That was the time. Let's jump straight to it. We're going to be doing this, let's see what it means, Google Translate. A lot of y'all been telling me about this, like this prank thing that Greg does. The worst intern, the rapper, and the rapper is Junior, JNR. Let's just see, like, a lot of y'all told me what it's about already in the comments, and I figured, yeah, let's check it out. We're gonna do it in parts. I seen another YouTuber doing it too, and he did it like part 1 to 5. So I figured, because I was thinking, when I seen it, I was like 48 minutes long. I'm like, how are we gonna record this? So, hey, shout out to you, Brody, for the idea. So I'm gonna go ahead and steal that, and I'm gonna do my video like that too, you know what I'm saying? But hey, let's jump straight to it. Je suis sur mon compte Instagram Greg Guillotin. Pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici sous la vidéo. Voilà, juste ici ou ici, hein, ça marche aussi. Alors que là, ça marche plus. Voilà, pas bonne, abonne, pas bonne, pas bonne, abonne, 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 pas bonne. T'inquiète, t'inquiète. Il y a vraiment des cracks qui se perdent. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pire Stagiaire. Notre nouveau piégé s'appelle JNR. Il s'agit d'un jeune rappeur qui prépare son premier album et qui vit du côté de Lille. Nous lui avons fait croire avec la complicité de toute son équipe et de ses amis que France 3 souhaitait faire un reportage sur son travail au quotidien et que pour l'occasion il allait devoir montrer les différentes facettes de son art à un jeune homme venu en stage d'observation pour la journée. Ce qui nous faisait le plus peur avec JNR, c'était son âge et donc la forte probabilité qu'il me connaisse. On s'est donc assuré à 100% en amont du piège à de multiples reprises et via une enquête très poussée que JNR ne me connaissait réellement pas. N'importe qui je travaille, c'est ça, okay, c'est sérieux. Ouais, bah, je te montre le profil qu'on a lui, il te parle, ça va. Il a une bonne tête, ouais, tu devrais le former, quoi. Y a pas de soucis. Pour en savoir plus sur nos méthodes de fabrication des épisodes, rendez-vous dans les making-of de la saison déjà en ligne sur la chaîne, ainsi que dans le making-of à venir de cet épisode. JNR, piégé par notre équipe, c'est parti. Bon JNR, merci de nous recevoir dans ta ville. Le stagiaire, bah, tu sais, donc Cédric qui devait venir à la base, ouais, nous a lâché hier pour des raisons personnelles. Et nous, bah, ça nous arrange qu'on soit pas sans stagiaire pour ce tournage. Soit toi, soit naturel, si t'as besoin de le recadrer, c'est vraiment toi qui le gère. Okay. C'est bon pour toi? Bon pour pas de question? Pas de soucis. Ok, bon, on va accueillir notre stagiaire alors. Ah, c'est peut-être eux, non? Je sais pas. Bonjour, bonjour. Merci Victor. I'm dead. Oh, ouais. Merci Victor. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes... Sophie, enchantée. Ah, vous c'est le Junior. Oui. Le formateur rappeur, c'est bon. Tout à fait, voilà, c'est le rappeur. Oui, bien serrer la main à... I'm dead. Présente JNR qui sera ton maître de stage pour la journée. What the fuck? C'est que... Vous restez bien concentré sur la rap musique. Ah, vous vous concentrez au monde. Et surtout, ne l'entraînez pas à fumer des gens. Ne l'embarquez pas dans ce que j'appelle, vous savez, les séances de balade à tir, les grands voyages à l'un tout genre. Oui, mais non, mais. On fait pas tout ça. Hein. Attendez, vous faites pas tout ça, mais je préfère la musique. On fait la musique. Je vous incrimine pas, monsieur. Parce que sinon. Did that man just literally say he should have taught you how to. Bon, je vous cache pas que j'ai des amis hautement placés à la BAC, j'hésiterai pas à les appeler pour intervention. Oh, c'est loin d'envers. Pas d'hachiche. On est pas là pour ça. Non, hachiche. On est là pour une journée tranquille. Et ben, je vous souhaite un bon stage avec mon fils parce que je reviens ce soir, Louis. Je vous laisse. Louis, bien je t'embrasse et puis je compte sur toi pour qu'il pas dormir. D'accord. Allez. Merci, jeune homme, de m'accueillir dans votre ghetto. Cependant, comptez-vous vous vêtir d'une autre tenue? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir la tenue? Alors. J'ai bien conscience que les rappeurs ont toujours la fâcheuse tendance à se vêtir d'un accoutrement que j'ai toujours trouvé ridicule et d'un mauvais goût à la limite de l'insolence, mais je trouverais cela opportun que pour le jour de son stage, notre rappeur fasse un effort. C'est pas son reportage, c'est un reportage collectif. Ce n'est certainement pas mon reportage. Moi, je n'ai rien demandé, pas ça. Il m'a simplement promis de m'offrir une très belle voiture, une Bugatti Chiron pour la cité, si j'acceptais de mettre de l'eau dans mon vin et de me prêter au jeu. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc disons plutôt que je suis un dépanneur. Je suis le dépanneur du ghetto. Je suis dépanneur du ghetto. Je dépanne. C'est une boutade. Nous aimons bien nous faire de petites boutades entre camarades. C'est la marade entre camarades. Ouais. On discute un petit peu d'être. Bizarre un peu. Ouais. Ouais, il est bizarre, ouais. Vous imaginez l'état de la dépanneuse? Ouais, ouais. Ce qu'il raconte. Déplorable. Bon, on s'y remet? Vous ne m'avez toujours pas dit si notre Rasta pouvait mettre une tenue qui m'agresserait un peu moins la racine. Notre Rasta. Ouais, j'aimerais bien que vous fassiez ce qu'on vous demande. On va démarrer le reportage, donc là, juste vous faites ce qu'on vous demande. Ouh, la boy, get you mad! Louis, vous pouvez
Mais... Je ne connais pas trop, j'ai quelques données dans ma besace, je ne voudrais pas être victime d'un larcin. Est-ce que nous pouvons pénétrer en lieu sûr? C'est sûr, mais voilà. Et vous, vous allez prendre l'ascenseur pour faire votre petit déroulé. Je ne vais pas rentrer dans cette minuscule cage avec le Rasta. Est-ce que vous avez pensé à un potentiel corps à corps? Oui, on a besoin d'un fil. Corps à corps, c'est quoi ça? Vous allez monter dans l'ascenseur avec JNR et Antoine qui va vous suivre, et c'est tout. Avez-vous compris qui est mon père? Je sais qui est votre père, et c'est justement votre père qui a tenu à ce que vous fassiez ce stage. Juste, vous écoutez ce qu'on vous dit. Papa possède trois yachts. Très bien. Dont le plus grand du port de Saint-Barth. Super. On se retrouve au premier, nous, avec les grosses cames. Jeune homme, je surveille vos mains. Ne profitez pas de cette promiscuité pour me faire les poches. I'm dead. Pardon? S'il te plaît. Alors, bienvenue. Savez-vous dans quelle émission j'ai l'impression d'être? Je vous la donne en mille. Non, j'irai dormir chez vous. Mais moi, je n'irai pas dormir chez vous. I'm dead. Parce que j'entends d'ici le parquet qui grince, les rats qui se régalent dans la cuisine, les cafards qui se baladent entre les lattes du matelas. Il n'y a pas de rats, c'est propre. Est-ce qu'on peut se concentrer sur le reportage? C'est mieux si je me concentre. Je pense que votre appartement est à peine plus grand que mon local à poubelle. Oui. On va passer à la phase de présentation. Jeune homme, ramenez-moi un petit coussin. Bon, je vais pas asseoir mon postérieur là-dessus. C'est propre. Ramenez-moi un coussin. Allez. One second, I don't know why this shit got so blurry. Let me restart, refresh this page. Vous savez, jeune homme, je pense que votre appartement est à peine plus grand que mon local à poubelle. On va passer à la phase de présentation. Oui. On va passer à la phase de présentation. Jeune homme, ramenez-moi un petit coussin. Bon, je vais pas asseoir mon postérieur là-dessus. C'est propre. Ramenez-moi un coussin. Allez. C'est plus abusé. C'est trop abusé. Ok. J'ouvre le bal. Tout à fait. JNR, depuis combien de temps êtes-vous rappeur et est-ce que vous vivez du rap? Alors moi, ça fait 4 ans que je rappe. Et non, je vis pas du rap, mais j'aimerais bien. On travaille pour. Donc si je comprends bien, vous êtes chômeur. Je suis en stage de chômage. Non, je suis pas chômeur. Je travaille. Non, vous êtes chômeur. What? Et je pense qu'il n'y aura pas deux reportages de la sorte sur vous. Profitez-en. Journée porte ouverte au tocard. Comme je suis pas comme vous. C'est un problème, comme je suis pas comme lui, c'est un problème. Personne ne rigole ici. On va passer toute la journée. Quel est ton parcours et qu'as-tu fait avant? À vrai dire, pas grand-chose, un peu comme vous, mais finalement, moi, c'est par choix, puisque je jouis de la fortune colossale de papa et des petits plaisirs, finalement, qu'offre la vie. Je m'appelle donc Louis Vignac, franco-gaulois et fier de l'être, sur le sol français depuis 13 générations, pas comme tout le monde ici, apparemment. Ça veut dire quoi? That's how the rich white boy sound. C'est quoi ça? Mais Louis, votre père me disait au téléphone que vous aviez fait un stage déjà, non? Oula, vous faites bien de me le rappeler, effectivement. Alors père, faisant actuellement une lubie sur mon avenir professionnel, a tenu à ce que je fasse un stage dans un boui-boui de montagne chez un tenancier de gîte complètement frappadingue. Encore plus givré que la neige devant son chalet. C'était le montagnard Mr. Freeze. Givré de partout. Le montagnard marron glacé. Il était givré, autrement dit. I'm dead. un peu long, mais on va enchaîner. Très long, très long. Cependant, est-ce un camarade à vous? Oui. Veuillez quitter la pièce, s'il vous plaît. Pour vous mettre un peu dans le coin. Vous perturbez mon champ de vision. Tu parles encore avec moi, mais tu parles pas avec... Va de l'autre côté, comment ça. Louis, t'es pas chez toi, lui. Hein. Alors Louis, que fais-tu de ton temps libre? Nous avons créé avec quelques camarades de ma caste un parti politique qui s'appelle les Anti-Mondis. Savez-vous ce que c'est? Non. Expliquez-moi. Ce parti politique a pour vocation à mettre en dehors de notre belle capitale, qui est Paris, les personnes gagnant moins de 10 000 euros par mois. Hmm. Autrement dit, ceux qui ternissent l'image de notre belle capitale, qui d'antan jouissait d'une image de carte postale, et qui aujourd'hui se retrouve ternie par des sagouins sans le sou. Ce que nous déplorons, c'est que Paris est devenu une sorte de fourre-tout où n'importe quel pecno a un droit de séjour. Heureusement qu'il existe le périphérique, qui permet de délimiter le territoire, et de repousser l'ennemi. Grâce à Dieu, les transports en commun étant à double sens, ces jeunes pecnos retournent chez eux le soir même. Louis, c'est intéressant. Non, vraiment, je ne suis pas de politique. C'est intéressant. Pourquoi as-tu accepté de faire ce reportage? Je compte profiter de la tribune qui m'est offerte pour jouer mon rôle de lanceur d'alerte et ouvrir les yeux aux Français sur la racaille qui pullule dans les cités françaises. C'est quoi le problème avec les jeunes de cité? On n'est pas tous des racailles en vérité. Il y en a peut-être un ou deux qui sortent du lot, mais... On n'a pas tous grandi avec une cuillère de la bouche. Hein. Et je vous plains de ne pas avoir mon quotidien. J'aimerais pas avoir ton quotidien. Que nous, on travaille pour l'avoir. Vous allez me dire que les jeunes sagouins, ils travaillent même plus que vous. Mais ils n'appelaient pas sagouins, là. C'est quoi? En voyage, calme-toi, tu... Eh, même si c'est un reportage, il n'y a pas de... Non, parce que c'est un reportage.
Bon, putain, ça y est, là, moi, ça y est. Nous savons que le jeune homme ici, dans sa sacoche, a du hashish. Je vous ai à l'œil. Depuis combien de temps t'intéresses-tu au rap et as-tu envie de devenir rappeur comme moi? Moi, rappeur, que Dieu m'en préserve. Je pense que ce style musical se résume à quelques zigotos qui déblatèrent des insultes en tournicotant sur la tête sur de la musique boum boum de discothèque dépravée. Tu n'as pas que des insultes, faut écouter. T'écoutes pas, comment tu peux le savoir? J'ai entendu. T'as entendu deux, trois sons, il y a des gros mots, c'est dans tous les sons, il y a des gros mots. J'ai entendu Maître Gims. Maître Gims. Gims. Autant celui-ci passe. Maître Gims, très bon artiste. D'accord. Maître Gims. Vous savez que ce morceau avec l'espagnol, là. Bella. Bella, voilà. Bella. Bella. Vous la connaissez cette chanson? Bella. Shella. La Bella. La Bella. C'est ça. C'est ça le truc. Hein. Voilà. Que disais-je? C'est ça. Avez-vous déjà sorti un album? Et sinon, allez-vous en sortir un? Alors, j'ai jamais sorti d'album. Je suis sur un projet de mixtape. Bah, j'aimerais bien sortir un album. J'aimerais bien. Si aujourd'hui vous en êtes à la mixtape, j'imagine mixtape. Que vous n'avez pas les contacts pour l'album. Sachez que papa est très proche de Pascal Nègre. Hein? Si demain, moi, je sors un album, je claque des doigts et je deviens le roi des charts. Mais t'as le talent, c'est ça? Mais non, mais pas besoin. Le jeune Rasta a tout compris. Par contre, ça, jeune Rasta, ça... Alors, on va faire écouter les morceaux? Ça va pas durer. Hein. C'est écouter les sons, après, ça y est. Je te promets qu'on monte que des meilleurs moments. Là, pour l'instant, il n'y a pas de meilleurs moments. Alors là, c'est clip consomme. J'ouvre mes écoutilles. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Dis-moi combien tu consommes, moi je suis là que pour les sommes. Actrice, bizarrement, okay, nice. Mais mon frérot, la peuvent casser, c'est l'eau. Et la nourriture est douce, moi je suis là que pour les sommes. Bien. C'est pas ton délire, mais... La mélodie est envoûtante. Félicitations. Merci. Mais... Quelque chose m'a interpellé, pourquoi déambuler sur une mobilette le torse nu? Selon moi, mon cher GNR, vous ne vous mettez pas à votre avantage dans cette séquence. En gros, parce que t'es gros, tu peux plus mettre dans le torse nu. J'ai pas dit que vous étiez gros, vous avez simplement un peu le torse dodu. Bon, on arrête les attaques physiques là. Il est trop musclé. Ouais, torse bombé. T'es trop musclé toi. Je ne suis pas musclé, mais je ne déambule pas à poil sur une mobilette dans les rues de ma ville. Je connais des gros, ils sont fiers de eux et ils déboulent à poil, même à poil. Ah, vous voyez beaucoup de gros sur des mobilettes qui déambulent dans votre ville? Ah ouais. J'aimerais bien être là, assister à ce spectacle des mobilettes. J'aime pas les gros. Non, ce n'est pas que j'aime pas les gros. C'est quoi le problème? On arrête les attaques physiques là. Oui, alors, dans un registre tout autre et bien plus distingué, intermittent, vous pouvez me... Ah oui, celle-ci, je l'adore. Le rouge, les couleurs de la France. Moi, je la donnerai ma vie. C'est toute mon enfance. Et j'en suis fier de ma patrie. Le rouge, les couleurs de la France. Quand nous lui donnons notre amour, chante avec moi ce refrain. Ah oui. Le rouge, les couleurs de la France. Sérieux? Je la donnerai ma vie. Malade. De la liberté et d'espérance. Pays, c'est mon amour. La gestue, elle a gestue, c'est bien. Elle la gestue, hein. Ouais, c'est bien. C'est bon, tu peux t'asseoir. Mets bien ton coussin, tu vas te salir. C'est bon? Alors?
particulier, très particulier. Ça m'a mis dans tous mes états. On va passer du coup à l'atelier d'écriture. On va vous laisser 10 minutes pour que vous écriviez un couplet chacun. À l'issue de ces 10 minutes, vous allez chacun présenter votre texte à l'autre. Vous allez le rapper un petit peu. Oh my god, this is gonna be interesting. C'est le travail. Je vais d'abord vous présenter l'exercice auquel je me prête volontiers. Mon phrasé sera précis, aiguisé comme du silex, et ma diction sera cristalline. Dans cette épreuve de rixe verbal, le clan Vignac, représenté par son jeune poulain Louis, va mettre une claque sur le cul des Rasta. Allez. Il s'est... Il s'est... Oh my god. Oh my god. I'm trying to think. If I'm in this situation, bro. I mean, maybe because of all the cameras, I'll probably keep my composure like he is, but like, oof. This is a good video though. This is a good video. Shit, I don't know. I might fuck around and just continue it later this evening, but this is it. I want to see it. I want to finish it. This is hard. Hey. But hey, yo, man. Hope you guys are enjoying the video. I love you guys so much. Come for merch. Teespring or comment. Slash King David Gang. Oh my god, this is funny as hell. I love you guys so much. I'll see you in the next video. Alright? Alright. 'Cause I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off? It's King Demian, this motherfucker. Where I come from, we don't talk much. We just want money, want to stack it till we untuck.